Il est né à Jérémie. Il a fait des études d'agronomie. Il est rentré au noviciat des Salésiens. Et le 15 août 1963, il prononce ses vœux perpétuels dans la congrégation des Salésiens de Don Bosco. Il poursuit ensuite des études de philosophie et de théologie au séminaire salésien de Porto Rico, puis de Sherbrooke au Canada. Il est détenteur d'un baccalauréat en théologie et d'un master en counseling pastoral de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Ordonné prêtre le 11 mai 1974, il vit le charisme de la communauté salésienne qui porte sur l'éducation et l'évangélisation des jeunes pauvres et abandonnés. Il croit dans la formation des techniciens haïtiens et il dit souvent « Haïti a seulement besoin de solutions stables pour son développement ». Son parcours est long et je vais résumer rapidement. 1974-1986, il est directeur du collège Dominique Savio et de la communauté salésienne de Pétionville. De 83 à 86, il est délégué provincial avant d'être nommé par le pape Jean-Paul II le 25 novembre 86, évêque auxiliaire de Port-au-Prince. C'est le premier évêque salésien d'Haïti. De 87 à 98, il est président de la commission épiscopale d'éducation catholique, recteur du petit séminaire Collège Saint-Martial, recteur du grand séminaire Notre-Dame. De juin 98 à 2008, il est transféré au siège épiscopal de Hinche par le pape Jean-Paul II. De mars 2008 à 2014, il est nommé archevêque métropolitain du Cap-Haïtien par le pape Benoît XVI. Il était président de la conférence épiscopale d'Haïti. Madame l'assistance, nous vous demandons d'accueillir Son Excellence, Monseigneur Louis Kébro. Bonjour à tout le monde. Je remercie le Père provincial pour son accueil fraternel. Je remercie le Père Wismic de m'avoir invité à ce symposium que j'apprécie beaucoup parce que ces thèmes psychologiques m'interpellent profondément et je continue à travailler sur la formation, tant au niveau national comme international. Et je remercie Dr Marone, puisque Dieu nous a donné les femmes, que nous en soyons bénis, parce que sans elles, que serions-nous? Donc merci pour cette présentation. Chers pères, chers religieux, religieuses, j'ai bien écouté tout ce qu'on a dit, mais je suis resté avec une pensée. Je ne sais pas si vous et moi, nous sommes tous sur la même longueur d'onde, que c'est un luxe de nous trouver à l'hôtel Montana ce matin, parce que derrière ce mur, oui, il y a la compassion, mais il y a des gens qui ont faim. Il y a des gens qui sont en tentative de suicide. Je vous donne un cas concret. Je travaille et je rencontre beaucoup de gens qui sont kidnappés. Et comme j'ai un ministère pastoral d'accompagnement spirituel, je les accueille. Et il faut se mettre à l'écoute de la profondeur du traumatisme que vivent ces gens. Et ceci est fait par des jeunes de 19, 20, 30 ans.
Au fond, ce qu'on ne se rend pas compte finalement, et que nous devons réfléchir sérieusement, c'est que nous sommes dans un pays de délinquants. Et ceux qui nous dirigent ont raté leur enfance. Quand l'enfant n'a pas eu son bol d'affection, il se dit « le seul bon, c'est moi ». Il vit dans un état d'aigrissement, de révolte intérieure. Et il n'a qu'un seul désir, d'éliminer et de tuer. Voilà pourquoi nous vivons avec des gens qui ne sont même pas humains. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas, ils n'ont aucune conscience de ce qui se passe. Donc ce matin, je crois que c'est un temps de grâce et de bénédiction de pouvoir, entre théologiens, psychologues, philosophes, chercheurs, professeurs, prêtres, évêques, tous ensemble, peuple de Dieu, à être des pèlerins pour chercher à comprendre ce à quoi nous appelle la compassion. Quand le père Will Smith m'a appelé pour la première fois pour m'en parler, j'ai eu une réaction à chaud et je lui disais rapidement ce que j'expérimentais. Et je lui disais, je me rends compte que ce vocabulaire
Chers amis, la plupart des hommes, instruits ou non, ne savent pas observer. Qu'il s'agisse d'eux-mêmes ou des autres, des petites choses de la vie ou des grands phénomènes de leur milieu, ils ne savent pas observer. Actuellement, vous avez un problème dans les rues. Avez-vous pris le temps d'observer et de vous questionner et savoir qu'est-ce qui se passe dans les stations d'essence aujourd'hui? Il n'y a pas simplement une question d'essence, il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin encore. L'inaction d'un gouvernement qui ne dit mot, qui est là, qui nous regarde. Et il n'y a pas de solidarité entre nous pour nous tenir debout et dire nous en avons assez et il nous faut agir. Non pas par la violence, certes, mais trouver les voies et moyens dans une concertation et voir ce que nous pouvons faire. Donc il nous manque cette qualité, cette observation. Il nous faut un regard attentif, un regard qui nous conduit à l'écoute. Quand nous pensons tout voir, c'est parce que nous nous disons que cette attitude repose sur le mythe de la transparence du réel. C'est comme si le réel saute à nos yeux. Non! Il faut aller en profondeur pour vraiment discerner et comprendre c'est quoi la réalité. La Bible dénonce cette superficialité de l'homme. Les hommes voient le visage, Dieu regarde le fond du cœur. Prenez l'évangile du jeune homme qui vient voir, qui vient à la rencontre de Jésus. Et lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir, pour la vie éternelle? Jésus n'est pas un des motifs. Il prend le temps pour regarder ce jeune homme et lui poser la question, tu es un juif? Donc, les commandements de Dieu, certainement, hein, tu dois les vivre. Et la réponse, elle est juste. Mais le texte nous dit, Jésus le regarda et l'aima. Entre le voir et le regard, il y a une différence. Et c'est là qu'il va lui faire une proposition pour qu'il soit déconditionné de la richesse, déconditionné de tout pour se lancer dans une liberté afin de travailler pour que le projet du royaume se réalise. C'est-à-dire que l'homme soit rétabli dans sa dignité humaine. Ce manque de profondeur compromet ce qu'il y a de plus important dans ce monde, à savoir les rapports humains. Nous sommes un peuple de bavards. Et celui qui parle à tort et à travers n'arrivera jamais à approfondir le mystère qu'il est. Le silence est la sentinelle de l'âme. C'est elle qui nous permet de descendre dans la profondeur de notre être pour rejoindre le silencieux par excellence qui nous habite. Et tant que nous resterons à la périphérie de nous-mêmes, il nous sera difficile d'être ce que Dieu veut que nous soyons parce que par ce manque de profondeur, nous risquons de tourner en rond. La parole de Dieu veut nous conduire encore beaucoup plus loin. Elle nous invite à retrouver un regard intérieur, révélateur de la vérité des êtres. Il nous faut apprendre à regarder à la façon de Dieu. Et c'est aller au fond des choses et des êtres
pour bâtir une communion, pour renouveler une mentalité étriquée et fermée qui juge et qui condamne. Donc ce matin, c'est le passage du regard qui juge et condamne à un regard contemplatif, c'est-à-dire descendre dans la profondeur du mystère qu'est l'homme avec ses besoins, besoin d'aimer, besoin d'être aimé, de produire, de comprendre. L'homme a besoin de faire ce passage de quelque chose à quelqu'un, et tout ceci ne peut se faire que dans l'amour, dans la prise de conscience de cette compassion qui n'est pas égale à une affectivité maladive, mais à une invitation à aller encore beaucoup plus loin dans une recherche et une découverte de ce qu'il doit être aux yeux de celui qui l'a créé. Donc, apprendre à regarder à la manière de Dieu. Il nous faut cesser de juger, de condamner les autres par les yeux. Il nous faut des yeux de tendresse, d'amour et de compassion. Du coup, donc, chers amis, est affirmée l'importance de l'intériorité pour percer l'épiphénomène, pour jeter à bas les masques et pouvoir nous retrouver comme frères, sœurs qui devons apprendre à marcher ensemble. Saint Jean-Paul II, la première encyclique, le Rédempteur de l'homme, disait que l'homme est la route du Christ, l'homme est la route de l'Église, nous devons la parcourir ensemble. Et c'est ce que nous avons besoin de promouvoir, la dignité de l'homme, dans un élan de compassion, de compréhension, de dialogue, pour parvenir à établir cette communion à laquelle nous sommes appelés. Saint-Exupéry, le petit prince, disait « On ne voit bien qu'avec le cœur. » C'est la lucidité évangélique de l'amour attentif. Un amour très intériorisé, en même temps très empathique, pour se mettre dans la peau de l'autre et pour voir les choses comme lui. Il n'y a pas de regard humain et chrétien sans vie intérieure droite et aimante, sans empathie, sortie de soi et communion. Il faut une sorte de dialectique entre la proximité et la distance, avec soi-même, avec les autres, avec l'environnement. Sans le regard intérieur, il manque la connivence d'une même longueur d'onde. Par ailleurs, s'il n'y a pas de prise de distance et questionnement critique et objectif, on ne sait pas situer la réalité observée dans ses justes perspectives. En ce sens, le Dieu mystérieusement proche et lointain nous apporte à la fois la communion intime et des horizons de dépassement, des horizons d'oubli de soi et d'effacement de soi. Il nous aide à être plus nous-mêmes et plus que nous-mêmes. Malheureusement, on regarde et on écoute très peu. On oublie les insistances du Seigneur dans l'Évangile. Dans Matthieu chapitre 6, versets 22 à 23, la lampe du corps, c'est l'œil. La qualité de l'œil devient donc un critère important de discernement spirituel, tout autant qu'un prérequis de l'art et de la science profane. L'œil est la première lampe de l'âme et du monde. Mais nous devons nous interroger sur la lumière qu'il porte, qu'il capte, qu'il accueille ou renvoie. Et cette lumière peut être la lumière sur le boisseau, ou la lumière qui brille dans la maison, ou la lumière du monde,
Donc, il nous faut nous interroger sur cette lumière. La foi se comprend, se nourrit avec des signes. Encore une connotation qui invite à la conversion du regard. Peut-être nous ressemblons aux Israélites de l'Ancien Testament qui disent « il n'y a plus de signes au milieu de nous ». Et Jésus rétorque pour leur dire « le problème n'est pas là ». C'est notre regard qui manque à la lumière et au signe toujours présent. Aux aveuglements du vieil homme succède l'illumination de l'homme nouveau. Est-ce que cette lumière se reflète dans notre regard? Est-ce que cette lumière nous aide à lire et à comprendre ce que vit l'autre pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant? Celui qui ne sait plus voir les signes de Dieu et en réclame d'autres, c'est que la lumière de son œil s'est éteinte. Voilà pourquoi le Seigneur nous invite à clarifier notre regard. Il nous invite et il nous éduque à regarder, prendre le temps de l'observation, de regarder et d'écouter pour comprendre ce qui se passe. Retenons l'avertissement de Jésus devant ceux qui disent « fais-nous voir un signe ». Et Jésus en appelle à l'observation quotidienne la plus simple. Voir, observer. Et Jésus remet en cause la qualité de la foi dans notre regard quotidien. Même les disciples de la transfiguration n'ont pas su voir la lumière et son sens véritable. Est-ce que la lumière se met à brouiller les traces de Dieu, à confondre les esprits? Non. Il craint plutôt les regards faciles et superficiels. Le Seigneur nous invite à un surcroît de regard d'observation attentive. Le regard évangélique ne va pas de soi. Nous plaçons habituellement la difficulté du côté du jugement, de l'interprétation. Mais ici, nous sommes ramenés à quelque chose de plus fondamental. Déjà, la science physique nous dit, et nous le suggère, c'est la capacité d'accueil de l'œil qui lui donne sa qualité. L'œil ne crée pas la lumière, il la capte d'une façon plus ou moins intensive. Qualité de l'accueil, ouverture du cœur. Voilà ce dont nous avons besoin pour pouvoir vraiment vivre ces deux jours dans un esprit de cheminement, dans un esprit de compréhension de soi-même pour pouvoir comprendre l'autre et nous exercer à la compassion. Le danger, c'est de vouloir rester à un niveau cérébral. Mais comme je vous le dis, pensez toujours que derrière ce mur, il y a un problème très grave. Et comme c'est un pays imprévisible et que nous ne pouvons jamais planifier, il faut que nous devenions des guetteurs pour discerner et comprendre ce qui se passe, afin que cette compassion ne soit pas une couche de peinture, si vous voulez, mais qu'elle soit une communion profonde d'engagement, parce que c'est ça la compassion. Jésus qui regarde le paralytique, ou qui regarde le possédé, ou le lépreux, il s'approche, il touche,
il va à l'encontre de la loi, parce que c'est l'homme qui est là. Et tant que nous, haïtiens, haïtiennes, nous ne parviendrons pas d'abord à nous unifier intérieurement, à rétablir l'harmonie à l'intérieur de nous-mêmes, en mettant de l'ordre dans notre vie, pour que cette compassion que nous cherchons à actualiser, elle soit vraie, dans nos yeux, dans nos bouches, dans nos mains, dans l'expression de notre cœur, de notre corps, afin qu'elle puisse transpirer, comme dit Paul, cette bonne odeur qui pourra vraiment nous rassembler tous ensemble et faire route, parce qu'il est difficile. Et je le vis, je l'expérimente, nous ne sommes pas solidaires entre nous. L'haïtien ne fait pas confiance à personne. Et aujourd'hui, nous sommes entourés de conflits et de toutes sortes de problèmes. L'amour est malade chez nous. Et la vision de Dieu, le sens de Dieu, nous l'avons perdu. Et en perdant ce sens, nous n'arrivons plus à savoir qui nous sommes que des orphelins qui ont besoin de se retrouver. Et pour se retrouver, il nous faut un regard de compassion, un regard de solidarité, un regard de fraternité pour nous dire dans un franc parler, tu es mon frère, tu es ma sœur, à bas les masques, ensemble, donnons-nous la main et avançons pour que cette unité se réalise en nous, autour de nous, pour une Haïti juste et fraternelle, que nous allons porter dans une utopie créatrice, en cherchant dans nos communautés, chez nous, dans notre travail, comment exercer cette compassion unitive pour que nous soyons tous encordés avec celui qui, le premier, a accepté d'aller jusqu'au bout pour donner à l'homme la valeur de la dignité humaine et lui dire « Tu es quelqu'un, je t'aime et je m'engage à ton égard. » Merci. Encore une fois plus fort, s'il vous plaît. Voilà. Alors justement, deux mots qu'il faut prendre comme le take home message, c'est engagement et solidarité. Donc, on tenait justement à ce que Mgr Kébro donne cette conférence inaugurale et une conférence qui justement nous invite à l'engagement, nous invite à la solidarité comme haïtiens. Ce n'est pas justement du fla-fla-fla, on parle, ça doit déboucher sur l'engagement, sur la solidarité. Donc je remercie très sincèrement Mgr Louis Kébro. Et justement ce remerciement, c'est aussi un remerciement à un titre personnel, parce que si je suis intéressé, je suis devenu psychologue, c'est grâce à Mgr Kébro. Parce que Louis Kébro, c'est un thérapeute, il a fait le counseling. Donc quand j'étais en sixième secondaire, j'ai vu ce prêtre, psychologue, thérapeute. Je me suis dit, je voudrais étudier la psychologie. Et c'est comme ça que j'ai commencé, ça fait 32 ans, à la faculté d'ethnologie, comme jeune étudiant en psychologie. Et mes supérieurs m'ont permis de continuer master, doctorat en psychologie. Tout ceci parce que j'avais comme modèle Mgr Louis Kébro en sixième secondaire comme thérapeute, comme counselor, qui m'a justement fasciné, séduit pour devenir aujourd'hui psychologue. Alors c'est un remerciement personnel pour dire à Mgr ma profonde gratitude, ce que je suis aujourd'hui, je le dois à Mgr. Je vous demande de l'applaudir encore une fois.
et associer Geoffrey à l'enseignement Pierre, le dernier ouvrage de CESA. Donc chaque fois qu'il y a un symposium, il y a justement un ouvrage qui est sorti. Et dans cet ouvrage, j'ai un compagnon qui était avec moi, avec Mgr Kebo, au séminaire, qui avait donné la conférence inaugurale en 2020. Mgr Ducange, son texte est dans cet ouvrage parce qu'il donnait la conférence sur l'espérance en 2020 dans le contexte de COVID. Et il est parti en 2021. Et le 7 juin, le 31 mai, donc on a ce texte de Mgr Ducange qui, comme moi, fut un élève de Mgr Kebo. Donc Mgr Kebo, vous recevez ce livre en notre nom, mon nom, et Mgr Ducange, son texte est dans ce livre. Merci Mgr.